بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 20 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac 2 sciences math, l'année scolaire 2022-2023, soit l'ensemble E milieu de l'addition de la loi externe point, un R espace vectoriel, et E1, E2, E3 est une base ou bien est une famille libre dans E. C'est une famille libre dans E. On pose le vecteur X est égal à alpha 1 fois le vecteur E1 plus alpha 2 fois le vecteur E2 plus alpha 3 fois le vecteur E3 avec alpha 1, alpha 2 et alpha 3 de R. Et le vecteur U1 c'est X plus le vecteur E1 et le vecteur U2 c'est X plus le vecteur E2 et le vecteur U3, c'est X plus le vecteur E3. Montrez que le vecteur U1, U2, U3 est une famille liée, équivaut à alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à moins 1. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Supposons, ou bien montrons d'abord, montrons que U1, U2, U3 est une famille liée ceci équivaut à alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à moins 1. Donc je vais réaliser cette démonstration par la double implication. Supposons que la famille U1, U2, U3 est liée. C'est une famille liée. Et on va montrer que alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à moins 1. Et on va montrer que alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à moins 1. On a, ou bien soit, lambda 1, lambda 2, et lambda 3 de R. On a lambda 1 fois le vecteur U1 plus lambda 2 fois le vecteur U2 plus lambda 3 fois le vecteur U3 est égal au vecteur nul et lambda 1 lambda 2, lambda 3, différent du triplet 0, 0, 0. Donc, et je remplace le vecteur U1 par quoi? On a dit que le vecteur E1 ou bien U1, c'est X plus le vecteur E1. Donc X plus le vecteur X plus le vecteur E1. Et là, à la fin de la démonstration, je ne peux pas utiliser le déterminant de trois vecteurs U1, U2, U3. Dire que la famille est liée, c'est-à-dire le déterminant de trois vecteurs U1, U2, U3, elle est bien sûr est égal à 0. Et là, puisque les vecteurs E1, E2, E3, là, on a fait les. Bien sûr, les données de l'exercice,
ne forment pas une base. Galna, c'est une famille libre et non pas une base. Quand galna une base, radin de zo directement le déterminant, on dirait le raisonnement par équivalence. Donc le mouchkila, on une base. Donc je continue. Lambda 2. Le vecteur U2, c'est x plus le vecteur E2. Et lambda 3, facteur de x plus le vecteur E3, est égal au vecteur nul. Bon, ceci équivaut à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, le tout fois le vecteur x plus le vecteur e1, donc plus lambda 1 fois le vecteur e1 plus lambda 2 fois le vecteur e2 plus lambda 3 fois le vecteur e3 est égal au vecteur nul. Bon, ceci équivaut à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Le vecteur x, c'est alpha 1 e1 plus alpha 2 e2 plus alpha 3 E3 plus lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus lambda 3 E3 est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 le tout fois alpha 1 plus lambda 1 est égal à 0, puis lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 le tout fois alpha 2 plus lambda 2 est égal à 0 et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 le tout fois alpha 3 plus lambda 3 est égal à 0. Maintenant, je peux sommer ces trois équations membre à membre. Ceci implique, l'implication, ce n'est pas l'équivalence, donc ceci implique que lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, facteur de alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus, ici plus, plus lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0 plus 0 plus 0, pour dire que j'ai bien sûr sommé ces trois équations membre à membre. Donc ceci implique, et je peux factoriser par lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, donc ça donne lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 facteur de alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus 1 est égal à 0. Donc ce produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0, ou alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus 1
est égal à 0. Si lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0, alors le système précédent deviendra puis je remplace lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 par 0, donc ça donne alpha 1 fois 0 plus lambda 1 est égal à 0, alpha 2 fois 0 plus lambda 2 est égal à 0, alpha 3 fois 0 plus lambda 3 est égal à 0. Donc ceci implique que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0. Ceci implique que la famille formée par les vecteurs U1, U2, U3 est libre. C'est une famille libre. Ce qui est faux, ou bien ce qui est absurde, ce qui est faux, car cette famille est liée. On a supposé au départ que c'est une famille liée, car cette famille est liée. Donc, lambda 1, lambda 2 plus lambda 3 est différent de 0. Donc, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 différent de 0. Alors, automatiquement, alpha 1 plus alpha 2, le deuxième facteur doit être forcément nul. Plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à moins 1. Ce qu'il faut démontrer. Maintenant, la réciproque. Supposons que alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à moins 1. Et on va montrer que U1, U2, U3 est une famille liée. C'est-à-dire, il existe au moins un certain lambda 1, lambda 2, lambda 3 de R tel que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 est égal au vecteur nul et le triplé lambda 1, lambda 2, lambda 3 différent du triplé 0, 0, 0. Prenons
lambda 1 est égal à alpha 1. Lambda 2 est égal à alpha 2. Et lambda 3 est égal à alpha 3. Donc, et je remplace alpha 1 fois le vecteur U1 plus alpha 2 fois le vecteur U2 plus alpha 3 fois le vecteur U3 est égal au vecteur nul. J'ai tout simplement remplacé alpha 1, lambda 1 par alpha 1, lambda 2 par alpha 2 et lambda 3 par alpha 3. Si le triplet alpha 1, alpha 2, alpha 3 est égal au triplet 0, 0, 0, alors alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0 plus 0 plus 0 qui est égal à 0, ce qui est faux. Ce qui est faux, car on a supposé au départ que alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à moins 1. Donc forcément alpha 1, alpha 2, alpha 3 est un couple non nul. Et alpha 1 fois le vecteur U1 plus alpha 2 fois le vecteur U2 plus alpha 3 fois le vecteur U3 est égal au vecteur nul. Cela veut dire que la famille formée par les trois vecteurs U1, U2 et U3 est liée. Par suite, U1, U2, U3 est une famille liée parce qu'on a trouvé au moins un triplet alpha 1, alpha 2, alpha 3 qui est non nul, qui vérifie alpha 1 fois le vecteur U1 plus alpha 2 fois le vecteur U2 plus alpha 3 fois le vecteur U3 qui est égal au vecteur nul. C'est ce qu'il faut démontrer, d'où l'équivalence. D'où l'équivalence. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.